Salut la Team Action, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul, c'est parti! Bon, j'ai cédé à la tentation, j'ai pris des choses pour la mer, sachant que je n'irai pas maintenant, mais l'été dernier j'ai eu le coup et je voulais prendre quelque chose qui n'existait plus, mi-août c'est fini, hein, ils mettent déjà le Halloween. Donc je l'ai pris en avance, je vais vous faire voir ça tout de suite. J'ai pris des babioles pour les anniversaires. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous mets tous mes bons plans en barre d'infos. N'hésitez pas à dérouler le petit plus, parce que maintenant je crois que c'est plus une flèche, mais c'est marqué plus, et vous verrez tous mes bons plans. Alors sachez que moi je porte des lunettes depuis que je suis toute petite. J'ai vraiment une malformation au niveau des yeux, je vois très mal. Une grosse bigleuse quoi. Et là, le petit lunetier m'a dit de choisir deux paires de lunettes. Donc j'ai pris une paire de lunettes de soleil bien sûr, et une paire de lunettes de vue. C'est pas la première fois que je collabore avec le petit lunetier. Sachez que les montures, quand je les mets, on me dit elles sont trop belles. Tu les as où? Donc je les ai eues sur le petit lunetier. Je vous mettrai le lien de la monture que j'ai choisie parce que j'ai pris la même en solaire et en vue. Sachant que les solaires, c'est à ma vue aussi. Certains vont me dire, mais comment tu fais? C'est simple, vous allez sur le site, vous pouvez essayer les lunettes virtuellement, il me semble. Et en plus, vous envoyez bien sûr votre ordonnance et vous aurez comme d'habitude une prise en charge par votre mutuelle et tout ça. C'est comme un opticien, mais en ligne en fait, c'est exactement la même chose. Pour vos remboursements, tout est pareil. Donc là, j'ai pris cette monture, vous les recevez comme ça. La première, j'ai pris une paire de lunettes avec un peu de tacheté dessus, un peu léopard, voyez, un peu, voilà. Et regardez-moi ça, voilà, j'ai pris un peu plus rond. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ma monture. Alors moi, elles sont à ma vue, hein. Mais sachez que vous pouvez avoir des lumières anti-reflets. Non, c'est pas anti-reflets, je crois que c'est anti-lumière bleue. Vous savez, tout ce qui est écran, tablette, télévision, ça abîme les yeux et vous pouvez être fatigué en fin de journée, tout ça. Donc vous pouvez mettre des lunettes sans correction. Mais anti-lumière bleue, donc voilà, ça protège quand même vos yeux. Sachez qu'en plus, sincèrement, les lunettes, c'est la mode. Maintenant, certains en mettent même s'ils n'ont pas des problèmes de vue. Donc voilà, sur le petit lunetier, vous avez vraiment un large choix de montures que vous pouvez adapter à votre vue ou juste anti-lumière bleue pour protéger un peu vos yeux. Donc on a celle-ci qui est sympathique, voilà. Je sais que sur Instagram, beaucoup m'ont dit « Oh, t'es trop bien, ça fait trop beau, elles viennent d'où ?» Eh bien, elles viennent du petit lunetier. Et j'ai pris ensuite la même, mais en solaire, adaptée à ma vue. Comme ça, je pourrais aller à la playa avec mes lunettes, le petit lunetier. Regardez-moi ça, elles sont trop canon à ma vue. Ah, franchement, j'adore. Bon, c'est un autre style. C'est vrai que d'habitude, je prends un peu plus le style pin-up et tout ça. Là, j'ai pris un peu arrondi. Alors, ça revient, c'est très tendance, le arrondi. Donc, voilà, là, je vous vois très bien puisqu'elles sont adaptées à mes yeux. J'ai un petit code promo, si ça vous intéresse, bleu25 et vous avez moins 25%. Alors, sachez qu'il ne dure pas longtemps, il ne dure qu'une semaine. Donc, si ça vous intéresse de prendre maintenant une paire de lunettes à votre vue ou solaire ou juste anti-lumière bleue, c'est maintenant ou jamais parce qu'après, le code promo se barre, tu vois. Je vous mets le lien de la monture et du petit lunetier en barre d'infos. Mais en tout cas, c'est un bon plan parce que c'est pas la première fois que j'en porte. Et à chaque fois, ça cartonne. On trouve vraiment des lunettes super original qui sont très très belles. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire si vous préférez de vue ou solaire. Donc voilà pour ma petite monture sympathique, le petit lunetier. Allez, on va commencer par la playa. J'ai pris ça. Alors c'est super encombrant, j'avais dit que j'achetais pas de trucs encombrants pour mon déménagement et je me retrouve avec deux trucs super encombrants. Pas super, c'est plat mais c'est quand même gros. Donc c'est ça, je vais pas l'enlever hein, parce que c'est pour la plage. Je vais vous faire voir un peu comment c'est. Donc en fait, c'est juste un système pour être remonté, vous voyez. On peut l'allonger et bah là, ça fait comme une serviette de plage. Mais pour maintenir le dos et la tête, au lieu d'avoir la tête à plat dans le sable et avoir les enfants qui jouent à côté de vous, je vous explique même pas à chaque fois, on a du sable. Donc là, j'ai un rose. Vous voyez, il est rose. Il est sympa. Donc je crois que c'était 7 euros. Et là, vous avez un bleu. Alors je crois qu'il y avait une autre couleur, je sais plus. J'ai envoyé Léna en caisse, j'ai vu la pub en fait en face de la caisse et j'ai dit oh, mais l'année dernière je les voulais trop et j'ai dit va voir, allez, je suis sûre qu'il n'y en a plus, puis il y en avait deux, donc elle m'a pris les deux. Vous voyez, c'est sympa. Dites-moi vous si vous les avez testés l'été dernier parce que chaque été ils y ressortent et dites-moi surtout si ça tient dans la durée quoi. Mais c'est bien parce qu'après ça se porte comme un sac, vous voyez. C'est plutôt pratique, vous le laissez dans le coffre et puis voilà. Y a une petite trousse d'après ce que je vois. Ouais, là, regardez. Pour ranger ses affaires, genre ton portefeuille, ton téléphone. Moi, je trouve que c'est bien, c'est un tout en un. Donc, j'en ai pris deux. Ensuite, pour Noam, alors moi, j'ai Léna et Noam au mois de juin. Léna, elle est du 5 juin et Noam du 27 juin. Donc, Noam, je voulais lui prendre des décos pour son anniversaire, un peu sur le thème, parce que parfois, on a du Disney ou du Marvel ou du 15. Alors là, il n'y avait que du Peppa Pig et du Reine des Neiges. Donc, j'ai dit, je ne vais pas prendre ça parce que le pauvre, déjà, il est fan de Titanic et je voulais sur le thème marin, mais j'ai rien trouvé. Mais pour Léna, qui est du début juin, on a pris une nappe à donner
donuts, on s'en fout, c'est juste pour voilà, décorer un petit peu la table. Vous savez qu'on adore les donuts dans la famille, donc c'est une petite top comme ça, voilà, donuts. Après, j'ai pris pour Noam, c'est pareil, j'ai pas trouvé de décoration sur le thème un peu garçon Marvel. Donc j'ai pris des basiques, voilà, juste pour décorer la pièce, comme ça quand il arrivera, il y aura plein de ballons et machin. J'aime bien faire des surprises comme ça à mes enfants. Pour Léna, on reste sur un truc basique. Voilà, j'ai pris couleur un peu, voilà, ça fait fille, ça fait pas bébé. Et par contre, j'ai pas trouvé de déco, je lui ai dit que j'en mettrais pas, elle est grande. On va rester dans la déco, j'ai pris des ballons fluo pour Noam. Donc c'est pareil, je les accroche au plafond, il est content, après il joue avec. Ça, c'est des néons. Pour Noam, je lui ai pris un 8 ans, parce que mon petit lapin, il va avoir 8 ans. On voulait prendre un 16 ans, parce que Léna va avoir 16 ans quand même, hein. J'avoue, ça passe trop vite. Et il n'y en a pas trouvé de 1. Alors dites-moi si à Action, il y a des 1, parce qu'à chaque fois que je cherche, il n'y a jamais de 1. Vous savez, ça doit faire une barre en fait. On a trouvé le 6, mais on n'a pas trouvé le 1. Donc au pire, j'irai à Joyeuse Fée pour lui prendre, parce que c'est quand même 16 ans. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du savon comme ça. Alors moi, je vais le mettre dans mon savon Mickey. Quand j'appuie dessus, ça me fait une tête de Mickey, voilà. En plus, ils nous disent de mettre un quart de ça et le reste d'eau. Donc justement, on utilise moins de produits pour se laver les mains. Et celui-là, ils sont bons. C'est à l'aloe vera. Je l'ai déjà pris. Après, j'ai pris... je vais vous faire voir parce que c'est quand même une denrée rare à Action. En ce moment, j'arrive plus à trouver de sac poubelle. Donc là, j'ai repris des 50 litres. Mais en fait, c'est des 50 litres qui se ferment. Hein. Pas les 50 litres. Non, non, je prends toujours avec les petites fermetures rouges, là, les petites ficelles rouges, parce que sinon, les autres, c'est catastrophique. Léna m'a fait prendre ça. Ça pue, ce truc. J'avoue, t'en manges un, ça passe quand même. Ensuite, pour Marie, j'ai pris ça. Alors, il y a de l'herbe à chat concentrée, je pense. 67%, 4 nip. Je sais pas ce que ça veut dire. Je vais l'enlever de la boîte. Alors, moi, j'avoue, Marie, elle joue pas trop. Mais normalement, l'herbe à chat, ça shoot les chats, quoi. Oh, ça pue, c'est horrible l'odeur. Bon, je vais voir si elle joue avec ça. Je vais essayer de vous le mettre après, si au cas où elle joue. Oh, ça pue. Horrible l'odeur. Horrible. Tiens, mon bébé. Regarde. Tu le sens? Non, ça. Alors, on n'a rien à secouer. Tiens, ma mémine, c'est de l'herbe à chat. On s'en fout. Mais je vous ai dit, elle joue avec rien. Ensuite, j'ai pris du Colgate. Bon, ça, voilà, je ne vous mettrai même pas les prix parce que c'est basique. Du super fine. Alors, ça, c'est pour mon fiston. Il est étudiant, ça va très bien. Bon, j'avoue, je prends le super fine blanc. Hein, mais bon, j'ai pris le vert pour lui. J'ai pris du Ushuaïa, huile douche, huile d'argan et huile de rose. Comme ça. Alors, celui-ci, je ne l'ai jamais pris. Ah ouais, bof. Il sent bon, mais il y a une odeur, je sais pas. Bon, ça sera utilisé quand même. J'ai pris ça aussi. J'aurais pu vous l'intégrer dans une vidéo de dégustation, mais bon, tant pis. Donc, c'est à la banane. Je vais tester tout de suite. Jus, juice drink, non carbonated. Je sais pas ce que ça veut dire. Pétillante, on dirait pas, ça sent très bon. Enfin, ça sent la banane, quoi. Ah, ça, c'est bon, punaise. C'est trop bon. Délicieux. Un des meilleurs jus que j'ai goûté à Action. Sincèrement, c'est trop bon. Ah, je vais faire goûter Léna, elle va kiffer. Ça, c'est délicieux. Ah, franchement, dites-moi si vous l'avez testé, celui-là. Ensuite, j'ai pris des nouilles. Donc ça, je vous le fais pas voir. Je vous ai déjà expliqué. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver, je ne fais pas des méga grands hauls parce que pour l'instant, je suis en train de faire des cartons parce que je me barre. Donc, il n'y a pas de déco, il n'y a pas de trucs de ouf. Mais vous inquiétez pas, je me rattraperai quand j'aménagerai parce que là, j'ai plein d'idées. Quand je vois des trucs à Action, j'espère que j'aurai les mêmes sur peau. J'ai des idées de dingue. Je voudrais des couleurs un peu naturelles, du bois, de la corde. Et il y en a énormément à Action. Donc c'est vrai que quand je passe dans le rayon, je suis comme une dingue, mais je me retiens parce que je veux pas encombrer mon camion. Donc n'hésitez pas à rester là encore quelques semaines, quelques mois, bientôt, voilà, il y aura des méga hauls qui changeront un peu ces hauls un peu routine en fait. Parfois c'est des produits d'entretien, d'hygiène, il y a de la nourriture. Bon là j'ai craqué sur mes chaises de plage, mais en tout cas je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie d'être toujours là. N'hésitez pas à partager ma chaîne, hein, ça permet d'avoir de la visibilité. Vous savez, c'est compliqué un de nos jours d'avoir de la visibilité, on est énormément, et c'est vos partages qui font connaître ma chaîne. Il y en a qui tombent sur moi grâce à vous et qui s'abonnent, donc voilà, merci du fond du cœur. Je vous dis à une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous, ciao !